problème. C'est un problème, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un des charbonneurs qui s'est fumé par un mec en T-Max. Ah, vas-y, on arrive là. Ok. Je t'ai tout donné dans les mains. J'ai laissé ma famille ici, moi. Et là, c'est moi, je suis sur Paris, je dois y aller là-bas. Je dois aller cramer ma tête là-bas. Et là, on est miné, on va fermer le magasin fermé, frère. Semaine, c'est rien passé. Ils vont nous fermer pendant 3 mois, on est cuit, frère. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est toi qui dois gérer ces trucs-là. J'ai rien à faire ici, moi. Mais c'est toi, tu me rends fou depuis tout à l'heure, là. Viens, déjà, on va voir ce qui se passe. T'es arrivé comment? T'es en train de ravitailler les types là-haut. D'un coup j'entends ça défouraille. Je suis descendu à toute patate mais c'était trop tard. Ils avaient déjà fumé le petit Mehdi. Les affaires c'est toujours là? Ouais. C'est toujours là les affaires? Ouais. Je te parle deux minutes. C'est pas mieux que je t'ai mis ça? Tu penses? Je sais pas, on sait jamais. Ça n'a rien à voir avec nous ça. T'es sûr? Ouais non, je pense pas. Viens voir. Ça arrive à combien de temps? Une petite demi-heure. Sinon, je fais quoi du corps? Récupère les affaires et tu le laisses là. Il faut le rendre à sa famille. C'est un bon, il mérite pas lui. Il faut qu'il l'enterre proprement. Vas-y. Sur le T-Max. Il était seul? Ouais, c'était deux. T'es sûr? Allô. Papier? On va ma planque, je te ramène. Pas la peine. Pourquoi? On est déjà passé.
Tu joues à quoi? T'as une grande gueule pour un mec qui se fait braquer. Waro, c'est moi. Rappelle-moi de suite dès que t'as le message. On est rentré en guerre.